Coucou à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo unboxing partenariat avec la société VIP Cross Stitch. C'est mon troisième partenariat avec eux. Je les en remercie énormément. Surtout que ça fait pas longtemps que je vous ai fait un unboxing où j'avais déjà eu un partenariat. Donc là, j'avais fait une spéciale moins de 5 euros, je crois. Là, ce n'est que des accessoires. Il n'y a aucun point de croix. J'ai décidé de comparer les ciseaux pour voir lesquels étaient mieux, étaient moins bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous présente tout ce que j'ai en unboxing et je ferai une petite vidéo assez courte, je pense, en testant tous les coups de fil que j'ai pu avoir pendant ce partenariat. Allez, c'est parti, on y va. Jackie, c'est pour toi. Il y a plein de bruit. Je me moque, je suis pas gentille. Voilà, voilà. Alors, rien à voir avec les coupes fil ou quoi que ce soit. Je voulais essayer. J'ai vu ça et c'était un espèce de pochon. J'appelle ça un pochon. Une petite housse pour mettre les DP et les points de croix. Donc, je me suis dit, ça serait peut-être sympa que j'essaye. On verra. Voilà. Ah oui, c'est grand. Ah oui, c'est vraiment très grand. 20, 40. Ça fait à peu près 60 cm de hauteur. Et donc, vous avez... Ah, c'est génial. Vous avez ça. Vous avez la petite coriotte pour... ranger, tirer. C'est une matière, vous voyez, plastifiée. Et donc, vous pouvez ranger vos DP qui ne sont pas faits, qui sont en attente, ou vos toiles de point de croix. Et je ne pensais pas que c'était aussi grand que ça. Alors moi, je vous jure, je n'ai pas commandé les lapins. Les lapins, c'est pas moi qui... Je ne les ai pas commandés, hein, je n'ai pas choisi. C'est eux qui m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé des lapins. C'est un signe, je pense. Et du coup, ce petit pochon, ce petit étui était à 2,69€. C'est génial. C'est génial. Ah, c'est pareil, quand je ferai la vidéo des coupes-fils et tout ça, je prendrai un DP parce que là, j'en ai pas. Et on le mettra ensemble dedans pour voir ce que ça donne, un DP ou un point de croix. Hein. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est plastifié, donc je pense que l'eau, quand il y a de l'eau, bah, ça craint rien. Après avoir au long terme si c'est assez solide. Mais bon, vous voyez, voilà. On est jeudi, on va essayer, on verra. Ensuite, j'ai repris c'est un kit. Alors, attendez voir, que je ne me trompe pas. Ça doit être ça qui est à 1,46€. Donc, et ça fait partie de ce que je vais tester. Donc, c'est emballé dans un petit sachet zip. Et c'est comme un kit. Hein. Donc, vous avez l'enfil aiguille qui est là. Vous avez les ciseaux. Donc, c'est ça que je testerai. Et vous avez du scotch pour les doigts. Alors, je ne vais pas le déballer. D'accord? Je ne déballerai que ça. Je vous explique pourquoi. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de le déballer. Vous voyez, c'est déjà... voilà. Pour la bonne et simple raison, bon, il a un peu morflé l'étui, hein, mais bon, voilà. C'est que j'ai décidé, de par mes partenariats, de prendre toujours des petits trucs pour mes abonnés. Et je vais en prendre 25 pour qu'à la fin de l'année, je vous fasse un petit calendrier de l'Avent, plus ou moins. Et il y aura soit des accessoires, soit des points de croix, soit des accessoires points de croix, soit des points de croix, soit des accessoires DP ou des DP ou une autre activité. Et on fera un tirage au sort tous les jours au mois de décembre. Ça sera un calendrier de l'Avent. Voilà. Déjà pour vous remercier d'être sur ma chaîne. Et puis surtout, c'est grâce aussi, plus on a d'abonnés, plus on a de partenariats. Et c'est tout à fait normal que vous soyez récompensé. Donc voilà. Mais par contre, je testerai pour ma vidéo si ça ne vous dérange pas.
Donc ça, ça fera partie des lots qui seront à gagner à Noël. Alors, ils avaient aplati le. Je vois pourquoi ils avaient aplati le scotch. Hein, c'est pour que ça tienne dans le truc. Hein. Forcément, maintenant, j'ai compris pourquoi. Donc, voilà. Il faut que je me trouve. Je ne sais pas. Pour faire un calendrier de l'avant, il faut que je me trouve des idées pour en fabriquer. Ensuite, alors ça, vous connaissez, c'est pareil, je ne vais pas l'ouvrir. C'est pour piquer les aiguilles. J'en avais déjà commandé un. Je l'avais perdu et j'en avais repris un en partenariat. C'est donc le troisième que j'ai en ma possession. Il y en a un que je garde, hein, bien évidemment. Moi, j'ai le même que celui-ci. Il faut savoir qu'on ne choisit pas sa couleur. Et donc, il était au prix de 2,71 €. Et c'est pareil, celui-ci ira dans le calendrier de l'Avent à la fin de l'année. Alors, on est loin de la fin de l'année, mais je m'y prends maintenant justement pour pouvoir avoir plusieurs petits lots et pas être dépourvu en fait. Donc voilà, donc ça c'est du bois. Et donc le coussin il est assez, vous voyez, il est mou, mais tout en étant assez dur quand même. Et je vous dis, vous choisissez pas la couleur, mais ils sont plutôt sympas. Ils sont franchement sympas. Alors, on y va. Donc, il y a ceci. Alors, ça, c'est des organisateurs. Voilà, ils sont super mimi. Ils sont petits, mais mignons. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 60 couleurs. Voilà, vous en avez deux. Il y en a un qui va de 1 à 30 et l'autre de 31 à 60. Alors, après, je ne sais pas. Pas si vous avez un film, peut-être que si, peut-être que non, j'ai des doutes, j'ai pas l'impression, c'est bizarre parce que ça fait vachement terne. Et ça serait étonnant que ça soit terne quand même. J'ose pas l'abîmer. Alors attendez voir, je pense avoir un beau. Ouais, si, si. Il y a un film, hein, regardez. Voilà. Vous voyez? Mais je vais pas l'ôter non plus parce que ça aussi, ça sera pour vous. Alors il est super joli. Et donc c'est une rose. Je ne sais pas si vous voyez. Celui-là, c'est une rose. Et l'autre, c'est une coquille avec une huître. Voilà. Alors là, c'est pareil. Il n'y avait que ce modèle-là. Mais alors, vous voyez bien que j'enlèverais bien, mais ça m'ennuie. Je vais juste enlever une partie pour que vous puissiez voir le dessin. Parce que je ne pourrais pas le remettre. Hein. Clairement, je ne pourrais pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, je le remets. De toute manière, si mes abonnés le sauront, hein, c'est voilà, je fais exprès et je remarquerai un petit mot quand vous le gagnerez en disant que, voilà, je m'excuse d'avoir... C'était juste pour vous montrer, donc je recouperai ça correctement. Ou bien, je l'enlèverai et puis... Donc, il y en a deux. Et donc, ils étaient au prix de... 2,47 €. Voilà. Donc ça, pour le coup, déjà, vous voyez, ça me fait trois petits objets. Sachant que il y a 25 cases, hein, donc, et que ça ne sera pas que sur le point de croix. Alors ça, j'avais choisi un aimant et il m'avait répondu qu'ils étaient en rupture. Donc, il m'a demandé lequel je voulais. J'ai dit, bah, écoutez, choisissez pour moi. Ça ne me dérange absolument pas. Et du coup, je ne sais pas c'est lequel. Alors, je ne me rappelle plus lequel j'avais choisi hein, pour vous dire. Ils étaient, celui que j'avais choisi était à 2,25 €. Mais pour le coup, il était en rupture. Et donc, c'est Summer. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, il est au prix de 2,25 €, je pense aussi.
Parce que je crois que j'avais pris l'autre, moi. Enfin, c'était un de cette collection. Mais je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. Voilà. Alors là, par contre, je ne vais pas l'enlever. Hein. Ce coup-ci, je ne l'enlèverai pas, mais on voit bien. Donc, il y a l'aimant derrière. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai quatre petits objets qui partiront dans mon petit calendrier. Et donc, il faudrait donc que je prenne quatre petits objets aussi de DP, d'accessoires DP. Donc ça, ça viendra. Hein. Je veux dire, voilà, hein, on est que le cinquième mois de l'année, donc ça devrait le faire. Il faut aussi qu'on pense à nos abonnés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes qui se font beaucoup, qui ont énormément d'abonnés. Hein, et en fait, j'en connais pas beaucoup qui font des trucs pour ses abonnés. Ils gardent tout pour eux et tout. Moi, je trouve ça un peu... Enfin, déjà, on n'a pas le temps de tout faire. Et puis, c'est quand même grâce aux abonnés qu'on a quand même des cadeaux et tout ça, parce que pour moi, c'est des cadeaux. Donc, il a un peu mangé, celui-là, j'avouerai. Alors... Celui-ci, regardez bien, vous avez le petit en filigula, le grand, et vous en avez un tout petit. Vraiment, pour, vous savez, quand on fait les perles, parce que le chat des perles, c'est vraiment très petit. Donc celui-là, en plus, on peut le rendre encore plus fin. Donc il fait ça, et il fait, je ne sais pas si vous verrez, coupe-fil, ici. Il ne manque plus que l'aimant et on est au taquet, là, hein. Donc là, c'est pareil, on testera. Donc, je testerai ça. Le ciseau qu'on a reçu. D'accord. Et on testera celui qui est là. Pareil, on a pris un autre. C'est aussi un coupe-fil. Et je testerai tous. Je les testerai pour voir lequel a ma préférence. Et puis, bien sûr, par rapport au ciseau que moi, j'utilise. Après, j'ai pas pensé. J'aurais dû prendre un ciseau pour voir la différence. Alors, je ne vous ai pas dit le prix de celui-ci. €1,46. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai marqué? Ah non, c'est pas ça. 2,80. C'est 2,80 celui-ci. Celui-là est 2,80. Et là, par contre, vous pouvez choisir la couleur. Alors là, vous le voyez un peu rose foncé, rouge. Et il faut savoir qu'il est fuchsia. Hein. Et alors là, ça coupe ici. Hein. Ici. Et tous les interstices ici. Voilà. C'est bien parce qu'on ne peut pas se couper le doigt en faisant ça. Alors, et j'ai choisi celui-ci qui est à 2,85. Couleur argent. Et c'est pareil, c'est dans chaque petit trait qu'il y a un coupe-fil. Voilà. Donc on testera, hein. Je prendrai un fil, on testera. Puis alors celui-là, l'avantage, regardez, vous avez un petit trou ici. Donc vous pouvez mettre comme un petit collier, quoi, enfin une chaîne ou quelque chose. D'ailleurs, je pense qu'il doit me rester des lanières en cuir. Et je pense que je mettrai une lanière en cuir. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est un des deux, je ne sais pas lesquels, hein, je ne sais pas. Parce que moi, je l'ai, ça je l'ai. Donc, un des deux ira aussi dans mon petit calendrier de l'Avent. Donc, comme quoi, vous voyez, sur 7 produits, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5 qui iront à vous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était donc la société VIP Cross-Stitch. Je vous ferai un compte rendu et on fera un test du pochon, un test des ciseaux, des coupe-fils et je vous dirai ma préférence pour telle ou telle chose. Voilà, je prendrai dans les mêmes, je broderai et je couperai mon fil avec ces accessoires et on verra lequel a ma préférence. Autrement, ils m'ont contacté le 24 avril, voilà, les produits ont été envoyés, j'ai sélectionné mes produits le 25, ils m'ont confirmé leur accord le 25, ils m'ont envoyé les produits le 26 avril,
Et aujourd'hui, on est le 4. Oui, on est le 4 mai. Et je les ai reçus aujourd'hui. Donc, ça nous fait 6, 10 jours. Ce qui est relativement rapide. Franchement, sous le coup de la livraison, là, c'est vraiment très, 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 très rapide. Alors, je vous remets ma petite sélection ici. Hop. Alors, c'est vrai que je ne veux pas trop les déballer parce que je vous dis, ça ira pour vous. Voilà. Hop. Et puis, mon petit cover. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Alors, la vidéo ne sera peut-être pas tournée demain, plutôt ce week-end, parce que je suis encore en formation demain. Donc, ce sera un peu compliqué de la tourner, là, parce que j'avais hâte de filmer ce que j'avais reçu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.